collection de Dylan sort, la collection de Dylan sort. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris, Salut tout le monde, c'est Bilal Sami, j'espère que vous allez super bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est en train de foutre? On est actuellement dans un hôtel à Paris, je ne savais même pas qu'il y en avait dans ce coin, on est genre vers le Marais. Et on va faire plein de petites interviews. Donc le concept, c'est qu'on est toujours sur la semaine Jennifer. Donc on est en mode TC, I'm gentle first to spirit, you know what I mean. La collection sort vendredi, là on est mardi. Et il faut bien l'annoncer à la planète entière. Donc on va faire quelques interviews, là on va commencer avec... Interview vibes, un peu mood genre bonjour, je vous montre ma collection et comme ça vous allez pouvoir me voir un petit peu parler, papoter, faire ma jigs. Et après je vais aller en studio rapidement pour préparer un petit quelque chose pour une performance. Et c'est à peu près tout pour ma journée d'aujourd'hui. Voilà, j'ai hâte de vous montrer un petit peu ce qu'on va faire là. Donc il va falloir qu'on court un petit peu parce qu'on est hyper en retard. En fait Gabi a déclenché l'alarme incendie dans l'hôtel avec le sèche-cheveux pendant qu'il me préparait. Bah écoutez, avec la vapeur du sèche-cheveux, j'ai fait sonner l'alarme incendie. Du coup là, nous devons mettre un terme à la préparation pendant quelques minutes et attendre le feu vert qu'ils aient éteint toutes les alarmes incendies de l'hôtel. Super, j'ai un peu honte. Hein. Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez super bien. Je suis aujourd'hui avec Voici pour vous parler de mes 3 pièces coup de cœur. Il est trop cool. Donc en fait l'idée c'est que je voulais vraiment montrer à travers cette collection les deux faces en fait que j'ai, les deux sortes d'identité un petit peu qui cohabitent et qui existent ensemble en moi. C'est ce côté vraiment, le bomber est noir en fait de l'extérieur, donc on pourrait avoir l'impression que c'est très genre discret, minimaliste, you know what I mean. Tadadam! On a un intérieur menthe, vraiment magnifique. Je vais la mettre maintenant et je vais l'embarquer avec moi parce qu'en fait celui que j'ai à la maison, j'ai mon maquilleur qui me l'a littéralement volé. Donc là tu veux la porter droite, ta combi t'es un peu en mode genre droit vibes, très... Tu peux la porter un peu genre comme tu veux, c'est vraiment pas restrictif. Et c'est un mot, hein, c'est en français restrictif ce que je dis depuis tout à l'heure. Désolée. Et elle peut faire très habillée comme elle peut faire très street. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup et que c'est un peu, je pense, ma pièce fave avec le bomber de la collection. Mais après j'aime toutes les pièces, genre moi je pourrais vous en parler pendant genre des heures, je le ferai. But anyways, oh, j'aime trop ce que j'ai dit. Genre un pantalon droit avec genre des chaussures blanches, elle est genre... Tu vois, genre quand tu penses prêt à porter et tout, tu dis peut-être genre le mec il va faire une collection genre hyper basique et tout, ouais. Mais ils m'ont laissé faire mon kit et tout. Ah, c'est trop cool. Regarde, tu vois, derrière il bombe, il vraiment, c'est le concept d'un bomber, tu vois. Le vrai bomber. Non, il est grave. Alors, oui, c'est une édition limitée cette collection. Donc quand il y a plus, il y a plus. Hein. Donc voilà, ça va partir très vite. Donc je vous conseille de vous rendre genre en boutique et aussi vous pouvez commander en ligne le plus vite possible parce que quand il y a plus, il y a plus. C'est vraiment genre ma petite capsule. C'est toujours ça, moi. Moi je vous fais une petite chose. Une petite poudre comme ça, là. Clac, 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 clac. Au revoir. See you next time. Et si vous aimez vraiment bien, on fera une autre. Mais voilà, donc vraiment ceux qui vont capturer et qui vont choper cette collection sera ceux qui auront chopé cette collection. And that's all. Donc là, c'est le nano bag en argent. Il est très beau. Ils sont trois. Il y en a un argent, un rose et un noir. Et je les ai appelés la triade. C'est cool, hein? Je les aime trop. Ils sont trop mignons. Donc celui-là, tu peux le porter comme ça. Tu peux le porter aussi comme ça. Tu peux le porter aussi en belt. Et là, regardez, quand vous faites l'accroche juste ici, vous pouvez avoir un sac à dos, sac à dos. Je pense que c'est juste un jean bleu, genre super cool, tranquille, simple. Mais on a une petite particularité ici au niveau de genre la fermeture, je sais pas si tu le vois. Un peu sobre, mais avec un grain de folie dedans. Voilà, c'est que de ça.
parti. Ça m'a motivé d'un coup alors que je pensais vraiment pas que ça allait me tomber dessus. Mais j'ai beaucoup aimé l'aventure. Malgré tout, dans ma tête, il y a quand même un stress et j'ai toujours un peu peur à chaque fois que je fais quelque chose parce que j'ai l'impression de briser une règle un petit peu ou de faire mal ce que je devrais faire. Voilà. Wow. C'est pas une question, mais on t'aime, Bilal, t'es le meilleur. Oh, ça me fait trop plaisir, moi aussi, je vous aime. Vous êtes dans les temps, mesdames. Voilà. Mon guys, ça change pas, je suis fatiguée. Oui, parfait. Super. Je baille la bouche ouverte, je suis désolée. Je vous respecte plus là dans les vlogs, hein, depuis ça. Alors, qu'est-ce que tu fais de ta vie actuellement? Ouf, je fais beaucoup de choses. Et je commence à essayer de tenir un peu plus tête aux gens et de dire quand j'ai envie de quelque chose de manière plus ferme, là où peut-être j'osais un petit peu moins. Donc là guys, on vient de finir les interviews et je suis sur le point de partir en studio pour travailler sur l'instrumental d'un projet musique, d'une performance, et je peux rien dire de plus. Peace out! Je suis un peu fatiguée, Queen. J'ai l'impression d'être au collège. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bah, faut faire un edit. Donc là on est en studio et c'est ici que j'ai enregistré la plupart de à peu près tout ce que je fais. C'est ici ouais que j'ai fait toutes les chansons de Kingdom. En fait, il y en a certaines que j'ai enregistrées à Granville. Donc dans la petite maison de résidence où on a écrit vraiment les morceaux, mais là c'était ici qu'on a fait la plupart des voix et toute la réédition elle a été faite ici, donc les 6 morceaux. Donc ici il y a eu le fameux moment de monarchie absolue, c'était dans ce studio. J'étais en train d'enregistrer là-bas et il est arrivé et j'ai fait what the fuck is going on. Donc en gros, il faut que, les deux soient combinés pour que ça dure 5 minutes. Couper la boucle là, faire juste une boucle de pré-ref. Ça va tout laisser. Juste la deuxième boucle de refrain. Super bien enchaîné cette affaire. Ah ouais, non mais ça va être cool, ça va faire pam pam maman. Je vais rajouter. Pam pam. Et mets juste un petit. Je vais mettre une autre réverb, tu vois, pour. Parce que là, va se couper. Ouais, comme ça. Ouais, tu mets une autre. Ça, c'est une transition. Learn. C'est celui-là. C'est baissé d'un demi-ton. Là, ici. Voilà. Je peux mettre des clics, enfin, genre 4 clics avant que je commence ouais, à chanter. Faut que je mette le...
En fait, c'est juste j'aimerais bien commencer a cappella, pouvoir avoir mes petits ears et pouvoir entendre mon clic dans mes oreilles pour pouvoir être bien sur ma rythmique et jamais être trop lent ou trop rapide et tout. Et donc là, ça peut me... Donc maintenant, je joue avec ça et je me permets des petites folies. Donc je vais comme des petites folies, c'est rien. Mais juste, j'aimerais bien que le début de la performance commence en a cappella. Ça a toujours été un petit kiff et une... Un truc que j'aurais bien, enfin que j'ai toujours imaginé faire, c'est une performance qui commence à cappella. Parce que j'ai l'impression que les gens ils peuvent shut up, genre si tu commences à cappella. Les gens ils sont un peu en mode, hein. Alors est-ce qu'on pourrait juste avoir un truc un peu atmosphérique? Un petit chou. C'est pas cette note là? Ouais, c'est un peu trop plus Ice Queen. Dans tes yeux, c'est moi le plus beau. J'ai peur de rien dans ton bateau. Je sais l'odeur. On a tout vu. On a gagné. Souvent perdu. Et juste un petit un rise transitionnel, une reverb, un truc que ça fasse un tout petit peu moins brusque. Et là, je pense qu'on écoute. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ça va. Not a rich but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. C'est parfait. Bon ben ça c'est fait. Maintenant je vais rentrer à la maison et je vais dormir. So I love you guys. Tu sais que c'est la dernière fois que je supporte Amina. Pourquoi? Ah c'est bon, on la jette. She's over là. She's over.